bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure de Jedi, évidemment, de Maître Jedi. Bienvenue sur Star Wars Jedi Fallen Order. Et on est directement reparti comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, mettez en 2K 60 FPS, parce que bordel c'est le petit feu. Et faites-vous plaisir. Nous sommes donc de retour dans notre vaisseau. On a été embarqué par des gens qui veulent faire en sorte que la résistance revienne, ainsi que les Jedi, pour lutter contre l'Empire. Mais bon, n'oubliez pas que quand on attaque, bah l'Empire contre-attaque. On nous apprend ça depuis pas mal d'années maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce vaisseau? On a des portes totalement closes. Je peux comprendre, c'est peut-être des chambres. Pour pas déranger les gens, évidemment. Oh, on a quelque chose. Eh ben venez, on va dans le cockpit directement. Oh oui. Ils vont nous dire quelque chose d'intéressant, je pense. Allez, quelle est notre prochaine destination, s'il vous plaît? Grise? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Eh ben c'est pas sympa. C'est pas sympa, fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi, mon petit Grise. Bah attends, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, il va peut-être se reposer finalement. Toujours rêvé de faire du ukulélé spatial. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Voici Bogano, un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Allez, c'est parti! Nous voici donc sur une toute nouvelle planète. Oh, ils sont tellement mignons! On dirait des Knuckles. Vous savez, dans Sonic, les petits écureuils, l'écureuil à 3, 4, 5, 6 queues, je sais plus combien il en a avec ces conneries. Ok! On n'a pas de map monde pour l'instant. Regarde!
Il s'est caché, hein. Non ! Oh là là ! C'était ça ma vie de Jedi ? J'ai failli mourir dès les premières secondes ? Alors, comment on va faire ? Comme ça ? Non, de toute évidence. De toute évidence, c'est pas ça. Comment on peut faire ça ? Ah, j'ai encore mon sabre laser, ça c'est cool. On va peut-être pas tuer les taupes quand même, hein. L'endroit a l'air sûr pour mes guider. Il faut seulement que je me concentre. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Méditons, méditons. Points de sauvegarde. Les points de sauvegarde sont disséminés sur la carte. Interagissez avec ces points pour sauvegarder votre progression sur les points de sauvegarde. Cal peut se reposer et dépenser des points pour obtenir des nouvelles compétences. Et ça, c'est plutôt cool pour le coup. Donc, arbre des compétences, s'il te plaît. On va récupérer notre vie un petit peu plus tard. Dépensez votre point de compétence pour apprendre la frappe haute. Développe un coup puissant qui s'avère mortel sur les ennemis les plus faibles. Ça, putain, c'est bien. Ok, faut rester appuyé sur croix. Ok. Ah ouais. Ouais, ça tranche dans l'art, comme on dit dans le milieu. Très bien, ça, ça m'intéresse. On va se reposer. Voilà. Et puis, on est de retour, full life. Et ça, c'est bon, parce que j'avais perdu un peu de vie, mine de rien. Reste avec moi, Cal. Ah, ok. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais ? Qu'est-ce que tu sais ? Hé, hey, t'en vas pas ! Ok. J'ai raté ce truc ? Merci. Ça, je vous le dis, hein. Ça, c'est des jouets à vendre. Hein. Ça, c'est bon pour le business. Ok, très bien. On peut donc s'accrocher aux plantes, aucun souci. Alors, il faut pas que je confonde les touches, parce qu'avec Death Stranding, il y a tellement de touches à connaître différentes. Celui que je recherche doit se trouver ici. Très bien. Donc, le sanctuaire est quand même assez loin, pour le coup. Alors, oh, bah on a donc une carte. Nouvel objectif, le sanctuaire. Ok, j'ai compris jusqu'ici. Normalement, it's ok, ça devrait le faire. On n'est pas à côté, quand même. Je peux aller soit à droite, soit à gauche. D'accord, j'ai le choix du chemin. Mais c'est incroyable. Et il y a mon vaisseau, donc, juste derrière. Et ben, vous savez quoi ? On va prendre... D'accord. Ok. On va prendre un chemin. Très bien, très bien, très bien. On va prendre le chemin de gauche et on reviendra par le chemin de droite. On verra. On va improviser tout ça, évidemment. Affiche les chemins. Très bien. Ok. Mais alors, il y a un truc que je piche pas. D'accord, voilà, c'est bon. Ok, très bien. C'est donc rond. Ok. Très très bien. Alors, il y avait le chemin de gauche et il y avait le chemin de droite. Et moi, j'avais dit que je prendrais bien le chemin de droite pour le coup. De gauche, pardon, excusez-moi. Et que je reviendrais par le chemin de droite. J'avais dit que ça serait plutôt cool. Donc, on va le faire. Comment on range le sabre laser ? Je sens quelque chose ici. Ok. Tu sens quoi, frérot ? Oh. Le jeu est vraiment... Le jeu est vraiment pas évident. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des potes. Ah si, ça se démembre un peu quand même. J'ai des potes qui ont bien avancé dans le jeu et qui confirment que effectivement c'est assez chaud pour le coup. J'ai ma petite idée. Là normalement, hop, je suis comme Mario. Pas du tout. Wow! Ça c'est une sale espèce, ça je connais bien. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ressentir l'écho. Des boglings l'ont tué afin de protéger leurs œufs. Très bien. Nouvelle donnée. Écho de force. Alors, il y a juste un truc qui me chagrine. C'est pourquoi... Pourquoi je peux pas m'accrocher au mur ? On dirait qu'on peut s'accrocher au mur, mais on ne peut pas s'accrocher au mur. C'est une impasse. C'est sûrement ce qu'a voulu me dire BD1. Non, on dirait, hein. D'accord, je t'écouterai peut-être la prochaine fois. D'accord, ouais, bon, on peut pas. On dirait pourtant, hein. On dirait. Allez, let's go, on se casse. Ah d'accord, donc. Ok, on va essayer de le suivre. Hop, ça dégage. Les mauvaises herbes, c'est pas pour moi. Ok. Bon bah, on va prendre le chemin qu'on avait vu dès le départ. Hein. C'est pas grave, hein. Let's go. Hein. On va passer par ici, hein. Une suggestion ? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Ça devrait le faire. Une tyrolienne ? Ok.
Oh, j'ai eu tellement peur. Ok. Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Nouveau point de save. J'ai pas pris niveau, donc ça sert... ça sert à rien. En vrai. Ouais, j'ai aucun niveau. Ça sert à rien. Très bien. Ils l'ont un petit peu espacé... histoire de dire que c'est quand même le début du jeu, on va pas abuser. Ça, j'ai vraiment envie de sauter dessus, mais on ne peut pas, en fait. Genre, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être à l'avenir. Tiens, on a quelque chose d'intéressant ici. Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. Ah, yes. Même très intéressant. Ok. Ah, yes. Let's go! Let's go de ouf! Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a découvert un petit truc peut-être. Hop, je voulais voir si c'était une caisse. Un trésor, quelque chose. Let's go? C'est quoi ça? Ok. On dirait une sorte de laboratoire ou... Le Jedi venait ici pour étudier la sphère en haut. Je sens encore l'enthousiasme. Je vais pouvoir augmenter le niveau maximal de la force. Très bien, secret trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Ok, let's go. Ça, c'est pas mal non plus. On va pouvoir tranquillement faire machine arrière sans rien risquer. Par contre, je suis sûr... Ouais. Attendez. Je suis sûr qu'il y a autre chose encore. Ça ne s'arrêtera jamais. Non ? On peut juste partir là ? C'est dommage. Y a vraiment rien d'autre, regardez là-haut. Non. On a quelque chose, mais... Tiens, tiens, tiens. Ok. Peut-être plus tard. Ok, bon. Peut-être en passant par ici, non? Ok, let's go. Avec la petite musique... Typique à l'univers Star Wars, ça c'est plutôt cool pour le coup. On a forcément quelque chose d'intéressant. Oh, en visite, hein, on prend notre temps, hein, on kiffe. Hein. On est des Jedi, bordel. Hein. Je vous l'ai déjà dit un milliard de fois. C'est le rêve de n'importe qui d'être un putain de Jedi. Ok. Très bien, cool. On fait de la lumière avec notre sabre. Ok. Let's go! Oh! Ah! Je vais mourir, il est beaucoup trop chaud. Waouh! Un coup de chicot! Très bien, en mourant, vous perdez toute l'XP gagnée depuis votre dernier point de compétence. Oh la vache! Ouais, il est chaud! Il est chaud, j'ai envie de me le taper quand même, hein. Allez, on est donc reparti. On va le taper au retour parce que clairement, il m'a fait extrêmement peur. Je peux pas l'ouvrir. Il m'a quasi one-shot, il m'a tout shot, littéralement. Donc j'ai peut-être pas envie de resubir la même chose. Je pense qu'on va le frapper au retour. J'espère ne pas oublier d'ici là. Attention là-bas. Histoire qu'on avance même un petit peu. C'est pareil qu'à la décharge. Ok, hop, aucun souci. Bon. Ah. Tiens bon, Média, j'arrive. Hop, il se fait déjà désinguer, ça c'est terrible. Ok. Let's go, c'est rien, Média, t'inquiète. Waouh. Bien joué à lui, il m'a clairement pris par surprise. Je ne m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt, pour stocker vivres et matériel. Ah, il n'y a peut-être pas besoin de ressentir la force hein, pour pour trouver ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Les Jedi, ils aiment bien se la rara un peu, tu vois. En vrai, t'es Jedi, frère, tu te la racontes. Tu peux pas être un Jedi normal. T'es obligé de te la raconter de ouf. Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh, d'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et
Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors... on doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Bon, ça va pas causer trop de soucis à ce niveau-là. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. Ok, tiens, on rentre le vent, on passe étroit, mais ça devrait aller. Moi, je commence à connaître, je me suis fait découper la dernière fois que j'ai utilisé ma... mon sabre en lampe torche. On va passer par où? On va passer par ici. On dirait que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Non, ça va le faire, c'est du solide, je connais bien ces plantes-là. J'en ai dans mon jardin. Ok. Plus à gauche, il n'y a pas grand-chose. Si, 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 à gauche, il y a totalement quelque chose. J'ai rien dit. Alors! Oh. Ah! Ouais, je vais m'en remettre. Ah! Oh, il peut me soigner? Stylé! Un steam de soins? Toi, t'es plein de ressources? Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. C'est vraiment stylé pour le coup. En plus, regardez, il n'y a pas d'ATH. À part la barre de vie et le steam, le nombre de steam, c'est très épuré. En fait, tu vis, tu vis une aventure, quoi, en fait. Ok, let's go. Bon. Très bien. Appuyez sur la flèche de haut pour utiliser les capsules rechargeables de steam. Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Eh ben, on va utiliser ceci. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Vous pouvez désormais accéder à l'holocarte de BD1 à tout moment avec le pavé tactile. On va sauter par ici. Hey, un générateur. Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Nouvel émetteur obtenu. Très bien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Vous pouvez changer les pièces de votre sabre laser sur les établis ou... et à bord, pardon, du Mantis. Très bien, sur les établis. Bah, il n'y a pas d'établis pour le moment. Oh, je vais changer la couleur de mon sabre. Et ça, c'est le petit fire, mon pote. Très bien. Bah, je suis déjà venu ici. Donc, on va remonter. C'était un raccourci. Ok, pas de souci. Ok, c'était juste pour ouvrir un raccourci. Très bien. Et je prends quand même. Hop. Bon. Ah non, c'était pas que pour un raccourci, en fait. Non, c'est bon, c'était bien le chemin. Je pouvais descendre grâce à la corde, mais fallait que je continue. Alors, très bien. Et ben voilà, et aucun souci, j'avais même pas vu. Ah bah désolé, j'étais trop concentré sur le centre de l'écran. Comme d'habitude, je vais pas vous apprendre. C'est là qu'on doit aller, je peux le sentir. Ça va, c'est assez gros, t'es pas obligé de maîtriser la force non plus pour sentir ça. On a peut-être quelque chose par là, non. Très bien, let's go. Non, la force m'a trahi. Mais gros. Ah d'accord, très bien. Ok, ça je vous le dis, hein, on va mourir plus d'une fois de cette connerie. Hein. Ok, on s'en rapproche. Le grand fossé. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversé. Très bien. Ok, bah pas de soucis. Bloqué. Disponible. Oh là 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 là, ça va pas être évident cette connerie. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. D'accord. Très bien. De toute évidence, on va y aller juste pour débloquer la carte au cas où, même si c'est déjà débloqué, je suppose. Très bien. On a un autre chemin ici. Vous croyez que je meurs si je tombe là? Et il y a aussi à droite. Ok. Alors, étant donné que là, pour le coup, je ne sais pas du tout... Ah, on peut pas. D'accord, on peut que descendre sur une tyrolienne. On peut pas la monter, très bien. Donc le seul chemin, c'est ici que je vois. Ça dégage. Très bien. Scanner. Tout va bien, BD1. Un coffre.
C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a quand même une sacrée sensation d'open world. Alors, sans que ça soit non plus un monde totalement ouvert. Nouveau matériau. Aube, vous pouvez changer de poncho. Oh. Oh, je suis poncho de Kuba. Ok, très bien ça. Allez, let's go. Un nouveau poncho des familles. J'aime bien en blanc. Très bien. On va pouvoir save. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et récupérer aussi sa santé. Comme quoi, le boss était assez strong, en vrai. Reposez-vous pour restaurer votre santé. Pendant le repos, les ennemis réapparaîtront. Ah, très bien. Très, très bien. On se repose. Let's go. Ça, c'est bon à savoir aussi. À l'avenir, va falloir faire attention. Parce que si les ennemis repop... Aïe, aïe, aïe. Ok, on a quelque chose ici, encore une fois. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Voyage vers le sanctuaire, nouvelle donnée. Très très bien. C'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool tout ce qu'on découvre. Alors, je ne peux que descendre, me semble-t-il. Je ne peux pas monter. Et ben, on va descendre. Ok, let's go. Oh! On doit s'enfuir! Ok. La vache, il m'a fait tellement peur. Attends. Quand même, c'est de l'XP. Oh, il s'est tiré, sans foirer. Non! Ok. Ok, c'est les trucs. Ah! Ah, putain! Non, je vais mourir. La vie est tellement nulle. J'ai besoin d'un steam. Arrête, arrête. Ma vie est tellement nulle. Vite, m'aider. Oh la vache. Non, 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 il est beaucoup trop chaud. J'abandonne. Salut mon pote. Tu as gagné. Oh non. Ma vie est nulle. Non ! Dommage ! Je l'avais dézingué ! C'est tellement chaud, mais c'est trop bien ! Allez, let's go ! Let's go ! Ça va le faire, ça va le faire. En plus, ça me permet, ça fait un entraînement, tu vois, pour bien maîtriser les combats, parce que c'est pas évident, on s'y perd vite, et le problème, c'est que si tu restes appuyé sur L1... Tu peux pas esquiver, en fait, c'est vraiment, faut lâcher la touche L1 pour bien esquiver et pour pouvoir taper ensuite, parce que si tu restes appuyé sur L1, tu ne peux pas taper en même temps. Ça, c'est un peu contre-intuitif pour le coup. Donc, voilà, c'est des petits trucs un petit peu, des petits paramètres à régler dans la tête et ça va le faire. Je vais le faire, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Je vais le dézinguer. Hein. Ok, par contre, tu perds tout l'XP, c'est terrible. Terrible. Allez, let's go. Ok. 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 Let's go! Let's go, mon pote! Je l'ai dézingué! On entend moins ta grande gueule! Ok. Et là, je suis censé faire quoi? Scanner. D'accord. Ok, mon gars, bientôt un niveau supplémentaire! Ça va le faire? Toi, tu dégages! Yes! Allez! On attend le prochain point de save et on est bon. Toujours y croire dans la vie. Ah ! Ok. Je disais toujours y croire dans la vie. Je vais regarder ça. Ok, on va scanner ça aussi. Très bien joué. Ok. Allez, fais-moi rêver, frérot. Ça veut pas marcher.
Très bien, bah c'est embêtant. C'est embêtant si ça veut pas marcher. Comment je vais pouvoir faire, moi? Je peux plus revenir ici. Comment je vais pouvoir faire? C'est rouge, il y a forcément une interaction, quelque chose, non? Peut-être de l'autre côté? Comment je vais pouvoir faire? Voilà. Allez, let's go, aucun souci. J'aimerais bien un petit point de save, comme ça je mets mon point de compétence. Eh ben, eh. Incroyable, suffit de demander. Quand on veut, on peut. Allez, let's go! On va méditer, ça permet non seulement de save, de récupérer l'intégralité de sa santé, et en plus de ça, de voir un petit peu l'arbre de compétences. Alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre? On va le voir en un peu plus sérieux. Attaque chargée, cale charge vers l'avant et attaque sa cible. Sauter en chargeant pour effectuer un salto au-dessus de la cible. J'avais oublié que... Bah oui, triangle, c'est le coup qui fait mal. Harmonie avec la force, augmente le niveau de force maximum de cale, et ça, c'est pas mal du tout. Compétence de survie, augmente le niveau de santé maximum de Cal. Ok. De toute façon, je vais prendre à gauche et à droite. Maintenant, je pense que j'ai peut-être plus besoin de santé pour le coup que de force. Donc on va prendre la santé. Ça va faire vraiment du bien parce que ça descend relativement vite et on va se reposer. Mais qui dit repos dit que ça va réapparaître derrière, l'oubliez pas. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir tranquillement s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette petite aventure vous plaît. Moi, en tout cas, je kiffe bien. C'est très chill. Et entre Dead Stranding, tu vois, c'est toujours cool. Tu vois ce que je veux dire? Allez, à très vite, tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao.